Salut à vous mes gueuses et mes gueux, c'est moi Antoine Labac, aka le clochard magique, pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma vie si incroyable et enfin bref, vous avez compris, c'est tout le temps la même chose, hein. Le père Castor qui vous parle de sa vie. Après le succès, car oui, pour moi c'est un succès, de la vidéo avec Sarah Olaine, j'ai décidé de remettre les couverts et de vous parler d'une histoire avec elle. Et afin de suivre cette présente vidéo, je vous conseille vivement de regarder la vidéo que j'avais faite avec Sarah, son interview, car beaucoup de points qui vont être abordés ici l'ont déjà été avant. À la fin de l'entretien que j'avais eu avec Sarah, elle m'avait dit « Ah zut, j'ai oublié de parler de la fois où tu étais venu en studio avec moi et Yasunori Mitsuda. » Voici la photo de l'événement en question. Quelle est la petite histoire derrière ce cliché qui inclut Sarah ainsi que ce compositeur de musique de jeux vidéo légendaire, et je pèse mes mots, Yasunori Mitsuda. Posez-vous postérieur confortablement, abonnez-vous et c'est parti! It's my man Tawan. You need some artwork? Hit my man Tawan up. Et nous repartons dans le temps en 2014. Sarah est en plein enregistrement de son second album, Sarah, qui est entièrement produit par Yasunori Mitsuda. J'en vois encore dans le fond qui se demande qui c'est. Yasunori Mitsuda est un compositeur de musique de jeux vidéo devant l'éternel, dont des jeux légendaires tels que Chrono Cross, Xenogears, Inazuma Eleven, Final Fantasy XV et surtout Chrono Trigger. Chrono Trigger est un jeu qui est sorti au Japon sur la Super Famicom le 11 mars 1995. Oui, ça date, hein. Et il est considéré par énormément de personnes comme le meilleur RPG de tous les temps, avec d'autres jeux comme Final Fantasy VI. Et moi, qui étais biberonné au RPG depuis toute mon enfance, je connais et j'apprécie le travail de Mitsuda-san depuis belle lurette. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est un RPG, en gros, ce sont des jeux d'aventure et c'est mon genre de jeu favori parce que les scénarios, les musiques, les personnages sont vraiment très intéressants et immersifs. La connexion entre Sarah et Yasunori Mitsuda se fait en 2010 lors de la composition du morceau Beyond the Sky sur le jeu Xenoblade sorti sur Wii à cette époque. Je vous renvoie une fois de plus à l'interview de Sarah où elle vous dit tout. Sur le zizi. Non. Bref, Sarah est en plein enregistrement de son second album et elle m'invite en studio pour y assister. Et surtout, rencontrer Mitsuda-san. Telle une puce, je trépigne. La date du rendez-vous est donnée à Harajuku. Vous savez, ce quartier où on vous vend des habits colorés et moches, made in China, et où vous pouvez vous procurer autre sucrerie immonde. Eh ben, sachez que je suis allé à ce rendez-vous avec une sacrée gueule de bois. Bah tiens, pour changer quoi. Éclaircissement. La veille au soir, je me rends à Shibuya avec mon ami Junior Sensei afin d'assister à un événement durant lequel joue DJ Muro. DJ Muro est un DJ, comme son nom l'indique, hein, et producteur, devant qui même Just Blaze pose un genou à terre. Just Blaze, c'est le producteur de Jay-Z et Drake. Rien que ça. La soirée avec DJ Muro est vraiment excellente, on fait des super rencontres, les musiques sont vraiment cool, et le tout mène à un léger manque de fraîcheur pour le lendemain. J'eus beaucoup bu, et en ce jour béni de ma rencontre avec Mitsuda-san, je me lève de bonne heure vers les midi. Ne rigolez pas, à ce moment-là, je me réveillais plutôt vers les 16h. Ma vie fut une longue gueule de bois. Je me rends au studio, en train, puis en taxi, un petit peu compliqué vu que ce n'est pas le genre de lieu qui est vraiment bien indiqué sur Google Maps, hein, et je m'y rends le cœur battant la chamade, tout en faisant des rots alcoolisés. T'es qui là? Je réalise alors. Diantre, toi, nous, tu vas rencontrer ton compositeur de musique de jeux vidéo favori quand même. Une fois au studio, Sarah m'accueille à l'entrée et nous allons dans la salle d'enregistrement. Et là, je le vois, Mitsuda-san, assis devant moi. Il se lève, vient me saluer et je l'embrasse. Non, je déconne. Mais j'avais dit à Sarah que vu que je l'aime tant, il y avait de fortes chances que je risque de l'embrasser en le voyant. Sarah dit à Mitsuda-san que j'étais très heureux à l'idée de le rencontrer. Chouing ! Et apparemment, cette nouvelle le remplit de joie. Car il commence à me mettre des doigts. Non. À me faire des doigts. Non plus ! Il me chatouille en me donnant des coups de doigts. Et sur le moment, c'est un peu gênant. Et c'est là que je me demande, et si Mitsuda-san était tombé amoureux de moi, se pourrait-il que mon charisme, ma fougue, les foudroyait en plein cœur? Ce n'est qu'un mortel après tout.
Retour à la réalité. Vous me demanderez, mais qu'est-ce que tu allais foutre au studio avec ces gens-là? Il est juste allé afin de squatter et te faire chatouiller par Mitsuda-san. Ce jour-là, Sarah devait enregistrer un titre en français. Une reprise des Parapluies de Cherbourg, un célèbre film français de 1964 avec Catherine Deneuve, dont la musique avait été composée par Michel Legrand, qui par ailleurs portait très bien son nom vu qu'il mesurait 1m87. Abonne-toi. Et du coup, Sarah avait besoin d'une personne francophone afin de l'aider sur la prononciation. D'où la présence du clochard magique en studio. C'était assez drôle car j'avais pour mission de choisir quels étaient les couplets les mieux interprétés, aussi bien vocalement que francophoniquement. Et Mitsuda-san me demandait « Cher Twan Sensei, je m'en remets à votre esprit supérieur et votre avis éclairé, vous qui êtes si beau. » Et moi ? Tu apprends vite, Mitsuda-chan. Va me faire un sandwich et que ça saute. Il se pourrait peut-être que je romance un petit peu cette partie. Mais en tout cas, oui, j'ai rajouté mon grain de sel à un morceau sur lequel Sarah et Mitsuda-san travaillaient ensemble. Quelques jours, je vis dans le silence. Malheureusement, je ne suis crédité nulle part. Je rigole, en tout cas, un grand merci à Sarah d'avoir trouvé une combine pour me faire venir en studio. Et commentons cette photo. On nous voit tenir la version PlayStation 1 de Chrono Trigger en version japonaise, ainsi que le guide de Chrono Trigger. Ces deux artefacts ont été signés par Mitsuda-san lui-même sur le moment. Le jeu et le guide avaient été achetés par mon ami LDD, que vous avez pu voir dans un de mes clochards à table. Du coup, j'avais fait signer le jeu PS1 pour lui, et LDD m'avait fait cadeau du guide. Gros big up à lui pour le coup. C'est marrant, je me rends compte que je porte un t-shirt de l'ami Big Twins. C'est assez rigolo vu que c'est des univers qui sont diamétralement opposés. Là, d'ailleurs, il y a un AK-47 sur le t-shirt. Dédicace à Big Twins et à Infamous Mob. Gros regret par ailleurs, la signature de Mitsuda-san que j'avais sur le guide, eh ben, elle a disparu. Tout ça à cause de la femme de ménage de mon père qui, à force de faire la poussière dans ma chambre, a fini par effacer la signature avec son chiffon mouillé. J'appelle ça du sabotage. Sachez, cela dit, que ce n'était pas la seule fois que j'avais pu rencontrer Mitsuda-san. Vu que la vie est bien faite, j'étais avec un groupe d'amis arabes à Paris. Karim, Adam, Sheriff et Volt. Pas sûr que le dernier soit arabe. Étant tous de grands fans de jeux vidéo et notamment de RPG, dont Chrono Trigger évidemment, nous étions partis ensemble à Paris en 2015 afin d'assister à un concert de Nobuo Uematsu, compositeur des musiques de Final Fantasy, Yoko Shimomura, compositrice des musiques de Street Fighter 2, et Yasunori Mitsuda. La veille du concert, nous cherchons un endroit où nous restaurer. Et nous nous dépêchons de trouver un endroit où manger, fermeture oblige. Le groupe de potes marche plusieurs mètres devant moi, je suis un petit peu à la traîne parce qu'il me semble que j'ai vu Mitsuda Mitsuda-san devant un restaurant. Je m'approche et je vois qu'il est avec Nobuo Uematsu et Yoko Shimomura également. Oh putain. Je cours pour rattraper mon groupe de potes et je leur dis de revenir en arrière. Bon, on tombe sur les compositeurs et je me rends vers Mitsuda-san en lui demandant « Hey, est-ce que vous vous rappelez de moi ?» Et il me fait « Mais tu es l'ami de Sarah à Tokyo ?» Donc c'était assez drôle parce qu'il comprenait absolument pas qu'est-ce que je foutais à Paris en fait. On discute un petit peu, je lui présente mes potes. D'ailleurs, c'est un petit peu la classe de présenter ses potes à Mitsuda-san. Et Uematsu demande à Mitsuda « Mais qui est ce jeune homme dont la beauté ferait pâlir les dieux de l'Olympe eux-mêmes ?» Ah, j'exagère, un peu. Mitsuda-san lui répond, c'est le sensei. Il était en studio avec moi, et il est si beau. Bon, en tout cas, se faire appeler sensei, maître par Mitsuda-san, c'était assez cool. Et sur le moment, mon zizi avait fort durci. Et voici la photo de cette rencontre impromptue. Merci à Sheriff de l'avoir prise, parce que du coup, il ne pouvait pas se trouver sur la photo. Je trouve assez beau qu'une bande de potes, ainsi que leur compositeur de musique favori, puissent se réunir dans ce genre de circonstances, dans ce genre de moments. Allez, une autre anecdote avec Mitsuda-san. En 2018, a lieu le concert d'anniversaire des 20 ans du jeu Chrono Cross. Un RPG aux musiques légendaires, une fois de plus composé par Yasunori Mitsuda, décidément il est partout. Vu que Sarah participe au concert en y interprétant le rôle du personnage de Kid, eh ben je suis convié, vive la franc-maçonnerie. Et c'était même un honneur, car j'étais sur la guest list de Mitsuda-san en personne. Que dire de ce concert? Que dire de cet événement? Bah rien du tout, parce que j'y suis pas allé en fait. La veille du concert, j'avais bu jusqu'à 10h du matin, donc j'avais bu jusqu'au jour du concert en fait, et fort intoxiqué que j'avais une sacrée gueule de bois le lendemain. J'avais donc prétexté une intoxication alimentaire auprès de Sarah. Je suis désolé, c'était un mensonge. Pardonnez-moi, Sarah et Mitsuda-san. Voilà comment j'ai raté un événement de légende à Tokyo. Le truc assez marrant, c'est que depuis 2008, j'utilise le terme de Radical Dreamers à l'origine, un morceau issu de la bande originale du jeu Chrono Cross. J'utilise comme mantra, motivation personnelle, faire en sorte que ses rêves deviennent réalité. Et aussi bateau que cela puisse paraître, ce concept a également beaucoup parlé à Sarah, qui l'a adopté également. Comble des coïncidences, Sarah travaille avec Mitsuda-san et elle interprète le morceau Radical Dreamers avec Mitsuda-san lors des 20 ans du jeu Chrono Cross. The shadows of the past consume my heart.
J'avais même créé un collectif d'artistes du nom de Radical Dreamers il y a plusieurs années de cela. Et ce collectif comprenait Sarah et moi, évidemment, ainsi que mon pote Valette, un ami peintre qui a exposé plusieurs fois au Louvre, ainsi que le DJ Kerubens, avec qui on avait sorti une compilation du nom de Radical Dreamers également. J'avais fait le logo du collectif, logo inspiré de Sarah par ailleurs. L'un des visuels que j'avais fait pour le collectif Radical Dreamers, Sarah m'avait demandé de pouvoir l'utiliser comme couverture d'un single, d'un morceau qu'elle avait fait avec Mitsuda-san. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, parce que je vous avoue que la faute venait de mon côté, j'avais trop fait la fine bouche. Et c'est très con, parce que là, on aurait eu un projet qui aurait réuni Sarah, Mitsuda-san et moi, Radical Dreamers, pour de vrai, la boucle serait bouclée. Ce que je retiens surtout, c'est que la vie, elle mérite vraiment d'être vécue pour pas mal de choses, dont le fait de pouvoir côtoyer, voire même travailler avec des gens qui ont participé à notre construction artistique, des personnes dont on a admiré et apprécié le travail depuis notre enfance. Et même si je me présente surtout comme le clochard magique ces dernières années, je n'en oublie pas moins que je suis un rêveur radical de cœur. Dites-moi dans les commentaires quel est votre rêve d'enfance, votre rêve de toujours, et je me ferai un plaisir de les lire et de les commenter également. C'est la fin de cette vidéo dans laquelle je voulais parler de ma relation un petit peu plus en profondeur avec Sarah, et également ma rencontre et ma relation en guillemets avec Yasunori Mitsuda. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur mon background, qui n'est pas seulement dans le hip-hop, etc. J'espère que ça vous a fait rigoler également. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, d'activer la cloche afin de ne manquer aucune notification. Et puis lâchez un petit like, un commentaire aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Et si vous pouviez également en profiter pour me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, @AirForceOne comme d'habitude. Encore un grand merci à vous, un grand merci d'avoir soutenu la vidéo avec Sarah, un grand merci à vous également de me soutenir sur Tipeee. C'était le clochard magique, bisous.